Bonjour à tous, ça vous plairait d'imaginer à quoi ressemblerait la maison du futur? Avec les défis écologiques qui nous attendent, beaucoup d'architectes ont essayé d'inventer des logements autonomes, économes et connectés. Ah ouais, je vois. Toilettes sèches et pas de chauffage, quoi. Eh bien justement, non, pas du tout. Laissez-moi vous expliquer ça rapidement. Dans la maison du futur, il est très probable que la lumière et le chauffage soient contrôlés directement via votre smartphone. Vous pourrez vérifier votre consommation en temps réel ou même éteindre une lampe oubliée et directement à distance. Démonstration. Des vitrages photovoltaïques qui auront la capacité de réguler leur niveau de transparence pourront adapter l'éclairage en fonction de la lumière du jour et ainsi économiser encore plus d'énergie. Quant à l'eau, elle pourra être récupérée lors de la pluie pour faire tourner votre lave-linge, mais alors là, peut-être que vous avez une petite faim. Ouais, j'ai un petit creux qui s'installe là. Eh bien très bien, vous n'aurez qu'à aller cueillir les légumes qui pousseront sur votre toit végétal, qui fera office de jardin et potager. Et ce sera aussi une super solution pour consommer en fonction des saisons, en plus de super bien isoler votre toit. Mais ça n'est pas tout, vous pourrez aussi vous équiper de fenêtres qui s'ouvriront toutes seules lorsque la pollution à l'intérieur de votre maison sera trop élevée. Et d'ailleurs, vos murs pourraient être faits de béton dépolluant, qui filtre automatiquement les particules de pollution, ou encore même de briques fabriquées en maïs ou résidus agricoles. Attends, mais une maison faite en maïs, ça tient debout ce truc? Eh bien non seulement ça peut parfaitement tenir debout, mais en plus c'est 100% écolo et biodégradable. Mais les fans de technologie devraient aussi se plaire dans cette maison du futur, car tout y sera automatisé et connecté. Votre réfrigérateur devrait être capable de détecter les aliments périmés, des nanojardins pour cultiver des aromates, et des salades seront disposées dans les cuisines. On trouvera aussi des lits chauffants pour éviter de chauffer toute la maison durant la nuit. Et tout un tas d'autres objets fascinants, comme le lave-vaisselle à vapeur, ou un miroir intelligent qui vous communiquera directement les informations importantes de la journée, et qui sera un petit peu votre assistant domestique. Eh ben, tu sais trouver les mots pour donner envie. Oui, enfin bref, si l'on suit les dernières innovations, tout pourrait être fait pour que l'on profite de maisons écolo. Par exemple, la G-Wellbox en Suisse est une maison qui produit plus d'électricité qu'elle n'en consomme, et qui ne produit aucun gaz à effet de serre. Alors, de votre côté, qu'est-ce que vous pensez des habitations de demain? Pensez-vous que parmi tous les projets architecturaux futurs possibles, l'humanité fera le bon choix.